Salut les gars! Je suis là, hein. Je suis là. Bon, allez, arrête tes conneries. T'es pas drôle, meuf, t'es pas drôle. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier, bah oui, parce que je l'ai zappé. Mais on peut dire merci Sœurette parce qu'elle m'a rappelé que j'avais acheté quelques livres au mois de janvier. Voilà. Mais ouais, j'avais complètement oublié. Et du coup, je m'étais fixée pour cette nouvelle année de ne pas dépasser 5 achats pour le mois. Et je suis fière de moi car là, je n'en ai que 4 pour ce mois de janvier, mais il faut que je vous montre un qui est arrivé en retard sur mon mois de décembre. C'est très à table. Voilà, pour les Restos du Cœur, donc en version pocket, que j'avais commandé à France Loisirs, mais voilà, il n'était pas dans ma commande et j'ai dû aller le rechercher une semaine plus tard, je crois. Mais je comprends pas pourquoi. Ils vous disent que votre commande est prête, mais il y a des manquants dedans. Pourquoi ne pas attendre que le manquant arrive, que me faire déplacer deux fois? C'est pour essayer de me faire acheter encore plus de livres en y allant, mais tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est à m'énerver. Enfin, et niveau écologie, voilà, on est sur deux cartons du coup. Enfin, je trouve ça aberrant, voilà. Et le fait de pousser à l'achat, je pense pas que ce soit dans tous les France Loisirs, mais celui d'Amiens, vous avez ça, vous avez ci, vous avez droit à machin, vous connaissez machin, et puis ci, et puis ça. Non, juste tais-toi, je sais ce que je veux, si j'ai besoin d'un conseil, je viens te chercher, mais voilà. Mes bibliothèques sont pleines à craquer, c'est bon, tu vas me laisser tranquille. Donc voilà. J'ai été récupérée, donc mon 13 à table. Normalement, je les ai tous, mais j'en ai toujours pas mis là. Voilà. Alors, on va attaquer avec donc mes achats du mois de janvier. Et donc, c'est juste un petit passage à Emmaüs. Voilà. Où j'ai trouvé, je sais pas, de Barbara Abel. Ça doit être du Françoisie. Oui. Il est en très bon état, donc voilà. Je sais pas si c'est vieux ou non. 2016. Un petit thriller. Hein, je viens enfin de finir La Disparue de la Cabine numéro 10 et j'espère que mon prochain thriller sera meilleur. Mais bon, on en reparlera lors de l'update lecture. J'ai trouvé Addictive Player de Amber James aux éditions Addictive, donc encore une bricasse, mais voilà, qui ne m'a pas coûté bien cher, voilà. Et en très bon état, donc très 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 contente. Et bon, ça va être en rapport avec du sport, alors. Et bon, comme d'habitude, c'est écrit très gros, il y a des bonnes marges, hein, donc... Mais bon, à chaque fois que je vois un addictif, il faut que je le prenne. Hein. Il n'y a pas... C'est addictif. Ensuite, j'ai trouvé Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Voilà. Chez Bragelonne Poche. Donc, encore un petit trailer. Et voilà. Il est neuf, quoi. Il est neuf. C'était censé être un livre offert ou machin dans les magasins. Voilà. Et contente de l'avoir. Et ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai trouvé Lucas de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. Oh, la couve est un petit peu. Il y a une petite. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, là il y a une petite pliure. Pour moi perso, je m'en fous, il est cassé totalement. Mais je m'en fous étant donné que c'est un thriller. Que bah, de toute manière, maintenant mes livres, je les garde pas forcément. Je l'ai eu à 3 euros au lieu de 22,90.
voilà. Donc très très contente. Et voilà, c'est beaucoup plus de thriller que... Voilà. J'en ai pas mal maintenant, alors que je n'en lis même pas un par mois. Mais j'espère que celui-ci va me plaire, mais bon, je pense que faut que je lise d'autres avant celui-ci. Hein. Dites-moi si vous savez s'il y a un ordre de lecture pour les franctiliers, si c'est important de les lire par ordre de publication, ou parce que je sais pas du tout si c'est des enquêtes avec... Enfin, je sais pas. Ouais, c'est Charcot. Donc Charcot, il me semble qu'il faut que je lise dans l'ordre. Enfin, je verrai bien. Il faut déjà que je regarde si j'ai les précédents. Ne serait-ce que le premier de la série pour pouvoir commencer. Mais voilà, contente de mes petits achats à Emmaüs. Ça va, ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Viens, bonjour. Tiens, bonjour. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Je suis une petite raclure de bidet en ce moment. Je fais que miauler. Et je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien embêter ma maîtresse. J'aime bien l'embêter. Mais bon, on va pas se plaindre, elle fait des câlins à Bibou maintenant. Hein, petite sauvage? Tu fais des câlins à bébé maintenant? Oui. Oui, il y a du vent, hein, t'as peur. Vas-y, ça. Donc oui, contente. Contente de moi. Je vais pas faire exploser mes bibliothèques, même si ça nous en fait 5 de plus. Et que là, je vais juste en sortir un. Parce que bon, elle a disparu de la cabine numéro 10. Sort de ma bibliothèque et n'y rentrera plus. Faut que je vous fasse l'update et puis je le mettrai en vente sur Vinted, je pense. Mais bon, j'ai une tonne de trucs en vente sur Vinted, ça ne part pas en ce moment, ça m'énerve un petit peu. Mais bon, ça reviendra, je pense. Sinon, ça partira en boîte à livres et puis c'est tout. Ah, les poils. Ah. Donc, voilà. J'espère que ce petit book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu un de ces livres, est-ce que vous en avez pensé, mais sans me spoiler. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un update lecture. J'espère que je ne vais pas trop tarder pour en filmer un. Je ne vais pas attendre trop longtemps, je pense. Je ne sais pas si j'ai déjà un autre livre à vous présenter, en plus de la cabine numéro 10, depuis le dernier que je vous ai présenté. Il faut vraiment que j'essaye d'être un petit peu plus organisée. On va essayer. Donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.